que nous avons des voitures de Cars 2. C'est même très rare qu'on a des nouvelles voitures de Cars 2. Même pas des voitures normales, des nouvelles voitures. Et croyez-le ou non, Colin Beaurêve est une de ces voitures. Et il fait partie de deux nouvelles voitures de Cars 2 dans la série Retro 2022-2023 avec Revni Griante qui est une taxi qui apparaît dans Cars 2. Et c'est incroyable que en 2 ans, genre 2 ans, genre la dernière nouvelle voiture de Cars 2, c'est Caporal Josh Colin. C'est incroyable que tout le monde qui déteste Cars 2, littéralement même Mattel, les gars, ils peuvent se faire des millions d'euros avec juste une voiture de Cars 2. Genre, voyez la Gremlina dans Cars 2 avec le casque. Ils peuvent la faire, tout le monde va l'acheter. Parce que genre, mais ils en profitent pas parce que je sais pas, ils détestent aussi le film. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Question95. Aujourd'hui, je vais faire un revue sur Colin Beaurêve de la série Retro 2022-2023. Et sans plus tarder, je vais commencer son revue avec son emballage. Du coup, voici son illustration. Il est content et tout. Le logo Cars, le circuit rouge, le voici. Metal, Mattel, 3+. Il est, comme j'ai dit, inspiré de Cars 2. Ah, c'est quoi ça? Il n'est pas inspiré de Cars 3. On pourrait croire qu'il est inspiré de Cars 3 ou de 1. Mais non, comme je l'ai dit, il est inspiré de Cars 2. Pourquoi vous avez mis Cars 3? Il a une tête à apparaître dans Cars 3, lui? Bon, ok, oui, mais il a une tête, mais quand même. Le logo RSN, Mattel, et je serai de retour avec Colin Beaurêve sur son emballage. Voilà, sur son emballage, il est un peu plus léger que ce que je pensais parce que les gens ils disaient, genre les revues que j'ai vues sur lui, ils disaient ouais, il est lourd et tout. Enfin, il est pas trop lourd, il a juste beaucoup, genre il est bien gros, mais il est pas trop lourd. Enfin, il reste un peu lourd, mais genre pas trop trop non plus. Voilà, il apparaît dans Cars 2, il apparaît dans la scène du Wilwell Motel en train de regarder la télé, mais pas seulement, il apparaît aussi à la fin de Cars 2 en train d'écouter l'histoire. McQueen et Martin étaient en train de raconter les événements du film à leurs amis de Radiator Springs et d'autres voitures. Waouh, Colin a vraiment eu de la chance. Il a assisté à l'annonce que McQueen allait participer au World Grand Prix et il a eu toute l'histoire. Quel sacré vénard. Du coup, avec son expression, il a une expression genre plutôt bizarre. Et c'est une expression qui est. Regarde ton âme. Donc voilà, je suis pas trop fan de ça. C'est phare. J'aime bien aussi sa couleur verte. Turquoise un peu, pas turquoise, mais ouais. J'adore aussi ses jantes. Sont bien chromées. Ses fenêtres. Son petit truc là où il peut mettre des affaires sur son toit. Au dos, sa plaque d'immatriculation, c'est si j'arrive à voir. S'il te plaît. C'est G... voilà. GN0609. C'est phare arrière. Sa fenêtre arrière. L'autre côté. Ses petits rétro aussi, j'ai pas précisé. Et son châssis. Donc voilà. Comme j'ai dit, c'est vraiment très rare quand nous avons des voitures de Cars 2. Des nouvelles. J'espère que en 2023, nous allons avoir des nouvelles. Aussi, mais je pense pas qu'on va en avoir dans 2023 parce que en 2023 ils ont l'air de se concentrer sur Cars sur la route. D'ailleurs, je suis vraiment dégoûté, j'ai toujours pas trouvé aucune voiture de Cars de 2023, pardon. Je suis vraiment dégoûté. Normalement, là on est en mars au moment où je filme cette vidéo, on est en fin mars. Normalement, à cette époque, j'ai acheté plein de voitures. L'année dernière, j'avais acheté déjà 4 voitures de la série Retroed, donc c'est pas beaucoup non plus, mais quand même. Et en 2021, j'avais aussi, à cette époque, je crois que j'en avais 3. Donc voilà, j'en avais 3 ou 4 au moins. Je commence à avoir une petite collection. Là, j'en trouve aucun. À moi, l'année dernière, j'en trouvais. Mais là, j'en trouve aucun. Je sais pas pourquoi. Et j'arrive pas. Ou peut-être c'est moi qui cherche mal ou je cherche pas assez. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à la prochaine sur quoi ça va. Salut tout le monde.